take the Lord of all, the mystic Lord of all. Did I see Mount Fuji standing tall and burn with the resolve to never ever fall? Pour nous développer et qu'on pense que le développement doit venir des autres. Donc c'est quel pays en fait? Il y a une autre anecdote. Vous voyez, quand vous regardez les films et tout, ou bien Thaïlandais, on va par exemple, vous voyez les éléphants, les gens vont sur les éléphants. Une fois on attache, ils se débattent, ils se débattent jusqu'à ce qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas se faire. Et puis c'est calme. C'est tout. C'est l'éducation qu'on a. Et donc, chaque fois dans sa tête, sa tête est formatée, son mindset est formaté. Donc dans sa tête, à chaque fois qu'il y a une corde sur son clou, il se dit qu'il ne peut pas bouger. C'est comme ça qu'il a été domestiqué. C'est votre problème à vous. Vous avez été domestiqué comme ces éléphants. Vous pensez que vous êtes attaché au travail. Le travail, ça se crée, ça ne se cherche pas. Celui qui a eu la chance d'en trouver, c'est un bon départ. Mais si tu penses que c'est le terminus, mon ami, vecteur 12, quand est-ce que tu as enchaîné dans ta vie? Et tout ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas voyagé pour le connaître. Les documents que j'ai mis. Tu as payé plus Sopra. Tout ton argent est dedans. C'est tout ce que tu sais faire. S'il y a marche de troisième mandat et qu'ils ont brûlé plus Sopra, tu fais quoi? Alors que si tu as investi dans ton éducation entrepreneuriale, dans ton éducation financière, tu sais ce qui fait que tu as payé plus là. Tu as encore ça. Ou même si le marché de bus est saturé, tu peux changer. Parce que tu as un bagage qui peut te permettre de te sortir dans n'importe quelle situation. Une idée d'entreprise, c'est autour de nous. Comment l'idée naît? L'idée naît à partir d'un besoin. Regardez autour de vous. De quoi est-ce que les gens ont besoin? Pas que pour être entrepreneur, c'est la société. Non. Pourquoi quelqu'un ne se décide pas? On a combien de garçons ici? On va prendre bien ceux qui travaillent, qui n'ont pas le temps de laver les chaussures. On a combien ici? Admettons que chacun a 5 paires de chaussures, ou bien 6 paires de chaussures. On sait que les autres ont plus que ça. Mais on prend la moyenne. Si par contre, tu vas, tu arrives à laver 5 chaussures. Comme, oui, c'est qui? Ah, est-ce que c'est bon? Ça va, oui, ouais. Ah non, le temps, comme. Je lui dis que tu n'as pas vraiment assez de temps. Je suis venu pour parler de choses. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Donc, c'est comment on fait? Et puis, non, il y a les jeunes qui disent, j'allais prendre. Si tu devais rester à la maison, il y a l'école de vie, j'allais gagner ça. L'entreprise, c'est comme ça, ça l'est. Les idées d'entreprise sont autour de vous. Aujourd'hui, c'est dans quelle entreprise on gagne beaucoup d'argent? Il y a ce qu'on appelle la franchise. Vous connaissez la franchise? On n'a pas besoin d'argent pour faire la franchise. On n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin de talent pour faire la franchise. Il y a des gens qui traînent le bloc de grande voiture. Quand vous passez, il y a ces mecs qui font ça. Ça, c'est la franchise. Tu vois un véhicule, j'ai écrit dessus à toi, tu prends le numéro. Tu prends la photo, si c'est carré. Tu mets sur ton blog internet, c'est que tu lis. Si quelqu'un veut voir, tu mets ton numéro dessus. C'est toi qui as publié, qui t'appelle. Toi qui as appelé le militaire déjà pour corroborer le client. Quand il prend, tu as une commission. On appelle ça la franchise. Vous pouvez faire ça dans le pays. Regardez les commandes qui sont anciens et anciens. Qui ne porte pas chemise pour aller au travail? Ils aiment bien se mettre. Aujourd'hui, quand on est en entreprise, on n'a pas le temps de sortir aller faire les magasins. Souvent, les gens viennent au niveau d'entreprise pour vendre des articles. On est obligé de payer parce qu'on n'a pas le temps. Ou bien pour vendre sur Internet. Tu regardes le tonton, tu vas voir un couturier, un bon couturier. Tu payes des tissus au marché. Et vu que tu discutes, tu payes avec lui. Ah, moi, je vais prendre des chemises avec toi pour parler de l'art. Mais ces chemises-là, pour les personnaliser. Si tu as pensé à ton police, tu dis au gars, il n'y a qu'à personnaliser. Tu as vu un peu la forme de ton police. Les choses, les chemises, il y a les numéros 41, 42, ainsi de suite. Je prends les chaussures. Il y a sa forme,
tu fais deux chemises différentes avec de tels beaux motifs. Vous les femmes, vous avez le goût de l'Ouest. Et puis tu viens, ah, est-ce que je viens chez toi? Il y a quelque chose pour toi. Tu viens. J'ai mis cette chemise là, ça me plaît, donc je me suis dit que ça allait te plaire. Donc j'ai fait confectionner la même chose, mais à la différence, on arrive pendant le soir. Et assez m'énerve parce que vous allez voir le juste écrit de ce François. C'est mon bouclier, il a fait ça. Il a son nom dessus. C'est pour toi. Ah, mon petit, quand il n'y a pas d'argent, fais comment? Non, donc c'est que tiens, vous me donnez, après tiens, dans le reste. Or, toi, payer le tissu, confectionner tout ça, ça t'a coûté par exemple 4 pays. Tu fais pour le moment, la chemise à 6 000, 500 ou bien à 7 000. Sinon, on achète à 8 000. C'est un fonctionnaire, il a l'argent. Il ne va pas tâter son nom. Quand sa femme va voir, mon ami, deux jours là, tu as une petite derrière ou bien. Où tu couches aussi là? Il n'y a pas l'argent pour payer mèche pour moi. Il dit tout là pour payer chemise. Il n'a pas eu le choix parce que c'est venu le prouver. Aujourd'hui, le consommateur, il est exigeant. Il veut que la marchandise vienne le trouver où il est. Donc, comme M. Gouin met à l'aise, M. Bastien met à l'aise. Alors, s'il y a des chemises, ça fait 6 chemises. Si sur chaque chemise, tu as un bénéfice de 3 000, combien de 3 000 c'est ça? Ça te fait combien? Est-ce que tu as dépensé l'argent? C'est ce qu'on appelle la franchise. Vous pouvez faire ça pour toutes les activités. Les mêmes tontons dont je parle là, quand ils finissent la semaine de travail, quand ils sont à la maison, samedi matin, ils sont fatigués. Vous pouvez décider, tu payes tomates avec des huiles essentielles. Ça n'a même pas coûté 5 000. Et puis tu viens, je te dis, vas-y, bonjour. Bon, aujourd'hui, je suis venu te masser. Mais les techniques de massage là, ça y est sur Internet, les smartphones que vous avez, ça y est là. Tu payes data pour faire affinage. Au lieu de payer data pour te former. Écoutez, c'est vous, sur votre oreille là. Les micros qui sont vous écouter là. Eux là. À cause de vous, ils ont eu l'argent. Vous continuez de frissonner quand vous écoutez les chansons. Mais quand est-ce que vous allez transformer cette habitude? Tu fais un massage? Aujourd'hui, voilà plein de personnes ont AVC. Pour leur éducation, ils ont fait le massage. On se dit qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour être heureux. Ça, c'est les erreurs à propos de l'argent. Ou bien pour créer une entreprise, on a besoin de beaucoup d'argent. Quelqu'un doit venir nous sponsoriser. Non. Commencez déjà à trouver l'idée. L'idée se trouve où il y a un problème. Quand Corona est venu là, il y a une nouvelle activité qui a vu le jour. C'est quoi? Qui est couturier ici? Il n'y a pas de couturier. J'allais lui demander si depuis l'été, il avait hâte de couper le modèle des cachots avant Corona. Corona est un problème qui est arrivé et il y a une solution. Donc quand il y a une situation, il faut trouver une réponse. Et ceux qui font ça, c'est eux qui ont l'argent. Et nous, on attend qu'on trouve la solution pour nous. Vous voyez les étudiants de 2007, il y a un solo. Quand on voit les verres bouger, la bouteille, elle, c'est le village. On jette. Ils ont plus qu'un moment de vie. C'était devenu trop parce que les bouteilles, on ne sait pas où ça se fond pas. Comme plastique et banane, comme papier, tu vas se fondre et autres. Donc les bouteilles posaient problème. Et ils ont développé leur mindset. Ils ont pris ces bouteilles-là pour fabriquer des carreaux. Par où que vous marchez dessus là, ils sont pas fait ça. Quand vous partez au supermarché, dans le rayon des alcools, de boissons spirituelles, il y a une liqueur qu'on appelle le privé. La liqueur de l'ouïe. Les étudiants en chimie là-bas ont choisi ça comme leur sujet de mémoire. Ils ont développé ça. Ils ont donné aux gens, ils ont coupé. Quand ils ont fait la soutenance, il y a un blanc qui était là, qui était dans le jury. Le directeur de mémoire, qui est noir comme nous là, comme notre habitude, il a banalisé le projet. Voilà. Mais le blanc a vu dans ça une opportunité. C'est les photos. Il y a des gens, quand tu vas sur leur statut là, tu regardes pour toi quand tu dors. Tu te réveilles, ils vont passer. Mais ce que vous oubliez là, c'est que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Vos amis immédiats, ceux avec qui vous passez plus de temps, vous êtes la moyenne. Combien divisé par 5, le 1 qui sort là, leur comportement là, vous êtes le 1.
Donc, quand vous voulez vous développer là, entourez-vous de vos comptes.